Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. N'oubliez pas de prendre votre e-book gratuit en fait, entièrement gratuit dans la description et dans le commentaire épinglé. Il est entièrement gratuit. Le premier lien dans la description, c'est le e-book gratuit. Vous pouvez le prendre. On est ensemble les gars. Aujourd'hui, je vous parle de quoi en fait? Les ruptures amoureuses, c'est une bonne chose dans la vie d'un homme. Les hommes ne veulent pas accepter ça, c'est bon. Je vous promets que quand tu traverses ça, ça te fait mal, tu es frustré. C'est après être sorti de ça que tu te rends compte qu'en vérité, cette femme, elle m'a fait du bien. Elle m'a fait du bien, elle m'a fait du bien en fait. Et il y a toujours des femmes et des hommes féminins qui viennent parler. Ah, nos limites, ils disent toujours la même chose. Nos limites, ils parlent de femmes seulement, frère. C'est pour éviter que certains hommes se suicident à cause des femmes. Une femme va te laisser, frère, tu ne vas pas arrêter. Ta vie ne va pas s'arrêter à cause de ça. En vrai. Ta vie ne va pas s'arrêter à cause de ça. Et il y a un de mes petits, un de mes bons petits que j'aime beaucoup. Hier, il me racontait son histoire. Il sortait avec une fille. Elle approchait. Ils ont commencé à dealer. Ils ne la voulaient pas au début. Ils ont commencé à dealer. Il a commencé à s'intéresser à la go. Et il a commencé à coucher avec la go. Et il se trouve que la go est enceinte d'un mois de son ex qu'elle vient de laisser. Malgré ça, le petit est resté avec elle. Pendant combien de temps? Après, elle lui dit qu'elle veut repartir chez son ex, qu'il la maltraite, tout ça. Comprenez que les femmes aiment les hommes qui les maltraitent. Elles aiment ça. Et tu n'as pas besoin d'être comme ça, en fait. Laisse ça aux gens qui veulent faire ça. Tu n'as pas besoin d'être un homme qui traite une femme mal. Tu n'as pas... Tu ne faut pas faire ça. Toi, il faut juste être masculin. Les femmes vont te respecter. Tu n'as pas besoin d'être méchant. Hein. Si tu es masculin, les femmes vont te respecter. Tu comprends un peu? Et comprends que... Je disais à mon petit là comme ça, que petit, c'est ta bénédiction qui est là. C'est ta bénédiction qui est là, mais tu ne vois pas encore. Parce que ça te fait toujours mal. Quand ça a passé, quand tu as commencé à faire ce que je te dis... Et tu vas regarder derrière, tu vas comprendre que cette femme-là, non, elle t'a aidé à un certain niveau. Elle t'a aidé à un certain niveau. Parce que c'est de l'énergie. Quand une femme te laisse là, tu ressens des émotions, ça te fait mal en fait. Il y a la frustration. C'est une énergie. Et cette énergie-là, tu peux la transformer en allant à la gym du dimanche au dimanche. Du dimanche au dimanche. Il allait courir. Quand ma goma a laissé, il allait courir le matin, il allait courir le soir. Le matin, le soir, le matin, le soir, le matin, le soir. Un mois seulement, il a perdu combien de kilos? Je vous dis la vérité, transformez cette énergie-là en quelque chose de productif. Quand une femme me laisse, je mets toute mon énergie dans mon travail, frère. Toute mon énergie dans mon travail. Parce qu'elle va être plus haut que celui pour qui elle m'a laissé. C'est ça que vous devez comprendre. C'est ça le game. C'est ça le game. C'est ça le vrai game. Le vrai game, c'est d'être plus riche que le gars pour qui elle t'a laissé. Là, maintenant, c'est comme un bébé, on cause, non? On cause? Ou bien on cause, va? On cause? C'est parti où? Dis-nous tout. C'est quitté où? C'est où tu partais? Tu comprends un peu? Et c'est une énergie. Transformer cette énergie-là en fait. Les ruptures amoureuses, c'est bien. Utilise la douleur pour devenir meilleur. Réellement, il n'y a rien qui me motive autant que la douleur, frère. Si tu es un homme et tu traverses une peine de cœur, ça ne te motive pas. Frère, tu n'as pas de testo, tu n'as pas de couilles, frère. Réel. Réel, je te dis la vérité, bro. Tu n'as pas de couilles. Sinon, une rupture, ça motive. Quand les gens se foutent de toi, ça motive. Quand les gens te maltraitent, ça te motive. Quand les gens ne croient pas en toi, ça te motive encore plus, frère. La motivation vient de tous ceux qui ne croient pas en toi. Tous ceux qui ne croient pas en toi. Parce que c'est que vous ne voulez pas que réussisse. Oh, faut pas me dire de ne pas faire quelque chose. Moi, faut pas me dire ça. Non, tu ne peux pas faire tant. On sait que toi, tu ne peux pas faire tant. Si tu me dis ça, ça t'est fatigué. Parce que c'est quand il me dit ça, c'est là, mais il met toute mon énergie pour faire en fait. Tu comprends un peu? Et si tu es focus réellement, tu vas avancer. Si tu as les couilles de mettre les femmes de côté, tu vas avancer pour de vrais frères. Réel, si tu mets les femmes de côté, tu vas avancer. Si tu mets ton kiki dans ton caleçon, tu attaches pendant un moment et puis tu dis, moi, je ne touche plus femme, je ne cherche plus femme. Tant que je ne suis pas arrivé à un certain niveau, tant que je n'ai pas réussi tel objectif, frère, tu vas avancer. Frère, tu vas avancer pour de vrais frères. Et c'est réel. Expérimenter ça en fait. Mets pas ton énergie sur les go. Les femmes vont venir à toi. Les femmes vont venir à toi. Les femmes viennent à toi. Est-ce que les femmes viennent pas à moi? Mais elles travaillent pour que ça vienne. Elles me voient sur les réseaux. Elles viennent à moi. Mais pourquoi elles viennent à moi? Parce qu'elles me connaissent maintenant. Mais si elles étaient assis, elles ne faisaient rien. Elles n'allaient pas me connaître en fait. Tu comprends un peu? Et tout ça, ça vient de quoi? Merci à mes ex.
réel. La douleur doit te motiver. La douleur doit te motiver. La douleur doit te motiver. Elle va te voir. Tu emmènes ta nouvelle copine dans tel endroit, dans tel endroit, dans tel endroit. Tu la fais voyager, tu l'envoies dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Elle est fond. Elle est fond. Elle sait que lui a ses garçons qu'on ne laisse pas. Il y a les garçons, on laisse. Il y a les garçons, on laisse. Femme sait ça aussi. Il y a des garçons qu'on laisse. Et puis, un garçon, on ne laisse pas. Elle les laisse, mais peut-être elle ira de loin comme ça pour revenir. Et puis elle sait aussi vers quel garçon elle peut revenir. Et puis elle sait qu'il y a des garçons, on ne revient pas vers eux. Puis il ne sait même pas comment faire pour causer elle lui-même. C'est fini. Puis c'est il ne peut plus me reprendre. C'est fini, c'est fini. Tu comprends un peu? Voilà. Voilà. Les garçons qui ont toujours les numéros de leurs ex, hein, c'est les femmes. Ben, les garçons qui ont toujours les numéros de leurs ex, c'est les femmes. Que non. On s'est séparés de bons thèmes. Si vous étiez dans les bons thèmes, vous n'allez pas vous séparer, bro. Claire, aïe. Arrête avec tes histoires, bro. Si vous étiez dans les bons thèmes, vous n'allez pas vous séparer. Tu comprends un peu? Donc là, laisse, efface leur numéro. Tu n'en as plus rien à foutre. Elles n'existent plus dans ton monde. Elles n'existent plus. Moi, je ne connais plus mes ex. Je ne sais pas qui elles sont. Je leur souhaite le meilleur, mais c'est moi aussi le meilleur. Tu comprends un peu, non? En vrai. Exactement. Et c'est comme ça que tu dois penser. Pour ça que tu ne dois pas être jaloux, en fait. Tu comprends un peu? Frère, quand tu sais que tu es le meilleur qu'une femme peut avoir, tu n'es jaloux en aucun cas, frère. Va! C'est quoi tu... Quand elle sait que tu n'es pas jaloux, quand tu sais qu'une femme ne peut pas trouver un homme comme toi, tu ne peux jamais être jaloux, frère. Réel! Utilisez vos peines de cœur. Réel! Utilisez vos peines de cœur. Ça va vous pousser, ça va vous pousser, ça va vous pousser, ça va vous pousser. Fuck tous les gars qui ne veulent pas parler avec toi. Fuck tous les gars qui te négligent. Fuck tous les gars qui te maltraitent. Réel, frère. Fuck les eux tous. Transforme-toi. Transforme-toi. Transforme tes finances. Transforme ton physique. Transforme ton mindset. Transforme tes habitudes. Commence à lire. 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 Je vous dis ça toujours, en fait. Commence à manger sainement. Commence à lire. Bro, il faut que tu lises. Et je te dis encore, tu dois lire. Tu dois lire. Tu dois lire. Tu dois lire chaque jour. Apprendre de nouvelles choses. Parce qu'il n'y a rien qui te rend encore plus nos limites que la connaissance. Quand tu connais des choses, frère, personne ne te fait peur. Qu'ils viennent de Suisse, qu'ils viennent de France, qu'ils viennent de temps, qu'ils viennent des États-Unis, ils te parlent, tu réponds. Parce que tu as la connaissance. La connaissance augmente ta confiance en toi. Pourquoi est-ce que les bolos là me parlent et puis leur répond? J'ai confiance en moi et c'est ce que je connais. Apprenez, 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 apprenez. Un homme ne doit pas marcher la tête vide, en fait. Tout ça, c'est quoi qu'il fait? Les peines de cœur. Non, non, du vélo, ouais, je suis fatigué aujourd'hui là. Vous avez compris le message, on est ensemble. N'oubliez pas de prendre votre e-book en fait, gratuit, en description. Merci les gars, on est ensemble. Je vous aime, là on s'approche de 50 000. Merci à tous ceux qui sont là. On va parler de ça. On est ensemble les gars.